10 minutes. 10 minutes, ce sont environ 1480 naissances sur la planète pour 1070 décès. 10 minutes, ce sont 98 608 100 dollars dépensés pour les soins médicaux. 30 594 270 000 dollars engagés dans l'armée. 10 minutes, ce sont 647 630 tonnes d'émissions de CO2. 170 tonnes de produits toxiques déchargés par les industries. 10 minutes, c'est le temps d'uriner environ 30 fois pour un mammifère humain. Plus ou moins 200 clignements de l'œil et en moyenne 750 battements de cœur. 10 minutes. 10 minutes de trajet, de parcours, de vie, cela paraît si peu aux yeux de la Grande Bleue. Estimée, elle, à 4,5 milliards d'années. Notre planète a de quoi se la raconter, des périodes de 10 minutes, vous imaginez le nombre qu'elle en a vu défiler? Exactement 236 billions 520 milliards pour répondre. 10 minutes. 10 minutes pour attendre un bus sous la pluie, le soleil, l'ombre. 10 minutes pour se dépêcher ou prendre le temps. 10 minutes pour se stresser ou se détendre. 10 minutes pour un orgasme ou une engueulade. 10 minutes pour des sarcasmes ou une balade en amitié. 10 minutes pour patienter ou scarapater. 10 minutes pour prendre soin de soi ou se détester. 10 minutes pour se doucher ou transpirer. 10 minutes pour se nourrir ou s'affamer, 10 minutes pour y arriver ou échouer, puis 10 minutes pour se décourager, 10 minutes pour y croire et recommencer. 10 minutes humaines à observer le temps qui passe, secondes, minutes, heures, journées, semaines, années, décennies, à croire qu'il existe vraiment. Pourtant, ce temps n'existe pas. Et comme le temps n'existe pas, l'espace, le tout en déplacement constant, insuffle la vie au mouvement. Seul le mouvement vit et agite nos désirs d'idées, d'avenir. Seuls les astres gravitent et nous remémorent souvenirs. Seuls les éléments parcourent infiniment le présent. Même la meilleure, minutieuse horloge ne saurait dire le temps à l'infini. Le temps est cette sphère invisible qui comprime et brime nos petites têtes humaines. Le temps est la liberté, le millefeuille des perceptions et réalités. Le temps est une pensée, et les pensées sont conçues pour s'envoler, aller entêter d'autres âmes. Plus ou moins 10 minutes. 10 minutes de toi, de moi, de n'importe quoi. 10 minutes de vide, de rien, de silence brut. De mélodie de vie organique. Multitude dimensionnelle et sensation de vivre, prendre le temps, arrêter le mouvement constant. Alors comme le temps n'existe pas, je fais ma petite vie pas à pas, parfois en me tirant les cheveux, en me noircissant les yeux, d'autres moments en rêvant, le regard scintillant du reflet d'étoiles qui se dévoile, d'une nuit à transformer en jour, et d'un soleil à faire exulter l'amour, et d'un soleil à faire exulter l'amour, un soleil à faire exulter l'amour. Na, 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 na.